Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment je fais pour trouver des livres qui m'intéressent sur Marketplace en usager plus particulièrement. Mais moi, je marche beaucoup avec Marketplace puis les petits sites de Facebook. Fait que je vous montre ça tout de suite. Là, on arrive sur ma page d'accueil Marketplace. Je vérifie bien sûr qu'il n'y a rien qui m'intéresse. C'est surtout des livres parce que ces temps-ci, je cherche beaucoup de livres. Je vais dans Recherche. Puis là, je tape, mettons. Exemple, je veux les livres de Twilight, m'a tapé Twilight. Twilight livre. Puis là, il y a des propositions, je vous montre à l'instant. Ça, c'est les propositions. Il y en a qui n'ont pas rapport pantoute, là. Là, je cligne, mettons, sur celui-là qui m'intéresse. Là, je vois les informations. Je check s'il est en bon état. Si la personne passe des fois, il marque que j'ai échappé de l'eau sur mon lit. Après ça, je vais faire le tour. Exemple, récemment, j'ai cherché des livres Stephen King. Fait que là, je check s'il n'y aurait pas des nouveaux livres Stephen King que je pourrais acheter. Puis là, t'envoies un message, mettons, à la personne, puis elle va te répondre, puis vous convenez d'un rendez-vous, là, tout simplement. Mais ça, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est d'y aller régulièrement parce que ça part vite, surtout ceux qui sont à bas prix. Puis ceux qui sont convoités, ça part super vite. Puis si vous y allez pas régulièrement, vous verrez pas tout de suite les nouveautés non plus. Donc vous allez manquer des livres qui pourraient manquer des livres qui pourraient être vraiment votre genre ou ce que vous cherchez. Moi, avant d'acheter un livre neuf, j'y ai toujours fait le tour
pour voir s'il n'y a pas sur Marketplace. Parce que ça fait économiser, là. Puis, c'est ça mes petits trucs pour trouver des livres en usagé sur Marketplace. J'y vais sûrement par, souvent par nom d'auteur. Puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!